Fabrice, est-ce que tu me laisses toujours autant d'espace? Non, tu recules. C'est un petit peu difficile de comprendre ce que tu fais. Tu as récupéré quand même ta ferme. Mais il me semble que ta ferme ne sert à rien puisqu'elle n'est pas, si elle est accordée quand même à la ville. Mais t'as pas l'air de vouloir de nouveau m'attaquer. Et on voit qu'il y a le GR de nouveau. Hop, pardon. Ben soit, on a le GR dans la ville. Hein. Donc dans 2 tours, l'effet va commencer à diminuer. On ne gagne plus que 900. Ça diminue pour le moment. Hein. Et donc dans 2 tours, il va disparaître. Il va disparaître. Voilà. Ok, donc on aura beaucoup moins de points bonus. Hein. Mais bon, on verra bien. Hein. Donc on a ben voilà notre industrie légère ou bien la librairie ont été terminées. 16, 15, oui, les deux ont été finis à mon avis. On a terminé les Guided RPG, on a terminé le modèle Abraham 2. On a gagné un niveau de technologie, ce qui nous donne des cartes supplémentaires ici. On en a 2 comme ça. Je commence à en avoir un peu marre d'avoir du Security Outpost. Hein. J'en ai déjà eu, j'en ai déjà dans les deux, je sais plus, on verra bien. Pas terrible ça. Et ça, je suis plus sûr de ce que c'est. Alors, on a des Sandspite Team. Voilà. Alors, ceux-ci sont beaucoup plus intéressants. Mais on peut encore en avoir des meilleurs que ça. Avec un Sand 6 Spice. Avec le double pour 6 points, je crois. Voilà, on a des tarifs à l'export. Parfait. Et on a un support faction. Donc, pour supporter une faction étrangère. Et donc ça nous permet d'empêcher que les Crusaders continuent à gagner regain du terrain. Prix à stocker. Voilà. Bien, 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 bien. Ce que je voulais dire, c'est le GR. Il a réapparu ici dedans. Et je croyais que j'avais espéré qu'il soit mort, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Bon, 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 bon. Ok, on démarre avec nos rapports. Alors, les BP. On a perdu 54 de BP. Pourquoi est-ce qu'on aurait perdu 54 de BP? Bonne question, ça. Ensuite, des nouveaux PP. On en perd, ça c'est logique, puisque notre bonus diminue. Et le starter crédit, on a perdu 180. Donc, on va pouvoir mettre des petites choses en plus. Ok. Donc, urgente issue. Nos morales pour une unité. Oui, on a vendu 57%, c'est les 1200 infanterie numéro 2 et low worker happiness. Ok. Les demandes, il nous reste encore le BP qui devrait arriver le tour prochain. Et nous sommes à 74 vers 77, donc on a monté, je crois qu'on était à 72 ou à 73, je ne me rappelle plus parfaitement. Ensuite, l'archéologie, est-ce que nous aurions un nouveau? Non, on n'a rien de nouveau. Prospecting, on peut vite regarder. Il y a une zone en tout et pour tout où on peut trouver des déposites. C'est pas Hanson, c'est à Carica, puisque Carica, c'est quand même lui que j'ai tout donné. Ouais, bon, on s'en fout. De toute façon, le trade report. Nous sommes avec Zandmark. Où sont nos. On n'a jamais rien avec Zandmark, c'est bizarre ça. La décision. Voilà. Alors, 21. Popular Union, donc Adam Titan Man, lui, c'est un de nos commandants. Notre meilleur commandant, je crois que la première MG, il a rejoint la Popular Union, ça j'aime un peu moins. Ce sont les verts. Nous avons
le turboprop engine et nous sommes montés d'un niveau en technologie. Je pense qu'on a fait le tour. Je suis toujours à 53 ici. 106, non, 100 ici. Il faudrait quand même que j'essaye de récupérer un tout petit peu là-bas. Alors, le trésor, nous avons gagné 4 crédits là-bas, 95. Donc, on va pouvoir. On n'a rien vendu en force et de sel. Ok. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que nous avions besoin de savoir. Décision. Nouvel objectif. Le set design, ok. La zone décision. Les mystiques, de nouveau, ils veulent gagner un petit peu de ceci. On va leur donner. Oui. Oui. Tout le monde a gagné, c'est parfait. Et enfin, une VIP ouverture. Voilà, le Reich Wilhelmnitz voudrait faire une ouverture. Et il nous demande si on serait ouvert à l'idée que la paix pourrait un jour devenir une option entre nous. Eh bien, mon ami, je pense que je vais dire non. Parce que dans le cas où je dirais oui, voilà ce qui peut se passer. Donc, nous avons l'ouverture qui est ici. Qui va faire quoi? Qui va donner si. Je ne sais pas si c'est une critical ou pas qu'ils ont fait. Mais donc, ça va augmenter critical success. Et succès sur le résultat de 10 relations. Donc ça augmenterait nos relations envers eux. Ce qui veut dire que ils auraient la possibilité, si ça se passe comme ça, de proposer la paix. Parce que vous voyez, la paix, vous avez besoin d'avoir 25 de relations. Et donc le fait qu'ils montent, ça va diminuer la difficulté de ce qu'on pose pis, et donc ils vont pouvoir nous forcer la main à faire la paix. Et moi je ne souhaite pas vraiment augmenter ça, non. En plus ça leur a bouffé 40 points de PP, je ne sais pas combien ils en ont bien entendu, mais voilà. Donc je vais refuser tout simplement pour ne pas leur donner la possibilité de nous faire la paix. Ah ben pour une fois, elle sera contente et elle va passer à 75. Et là, tu vois, malheureusement, on aurait pu monter à 100 points. Ça fait ce qui faisait 10 points en plus de lancement de dés. Mais bon, c'est pas très, très, très grave. On va quand même attendre, à moins que. Non, il y a l'intérieur qu'on sait. On va quand même patienter un tout petit peu. On va lancer notre nouveau poum, regardons nos management technologies. Alors, faut que j'en fasse un troisième. On va faire la roquette. Le rocket engine, si je ne me trompe pas, hein, si je ne me trompe pas, parce que là j'ai jamais encore joué avec vraiment les avions, je pense que ça normalement c'est le moteur de fusée. Et le moteur de fusée, pour moi, on aurait besoin du moteur de fusée que pour. Dans le cas où il n'y aurait pas assez de gravité, il y aurait trop de gravité, qu'on ne serait pas décollé avec des propulseurs normaux, quoi, avec des hélices. Maintenant, il y aura peut-être besoin de faire ça plus tard, hein, c'est possible, mais je ne crois pas. Il vit Rocket Engine, ils ne te disent pas, hein. Tu design aircraft, voilà. Utiliserait ça, mais on n'a pas besoin puisqu'on a tout ce qu'il nous faut, moi. Ok, donc on oublie le Rocket Engine, on va passer sur le Rocketry. Le Rocketry, bien que l'hélicoptère Engine m'intéressera aussi par après, la propulsion turbo aussi, mais pour le moment nous n'en avons pas le besoin puisque nos moteurs fonctionnent, nous permettent déjà de voyager sur 20 cases pour l'instant. Donc, comme je disais, je reviens ici et on lui donne la roqueterie. Voilà. Ensuite, un nouveau modèle, ce qui veut dire que nous avons terminé notre modèle Cycle Size Skirt. Nous allons regarder ce que ça nous donne comme modèle, le Light Armure.
Alors, qu'est-ce que tu nous as donné, mon petit? Donc, notre design, bien entendu, à 111. Et c'est combien? C'est 66, hein, ou 86? Je sais plus lire, moi, ce truc. Attends, bouge pas. Là, c'était moins 40. Et cette fois-ci, on est à moins 20. Oui, donc 66, 86, j'ai vraiment du mal à lire. Je suis désolé, j'ai encore des problèmes aux yeux, mais bon. Alors, on n'a rien gagné en weapon design. On a gagné en armure, par contre, 102. Plus le fait que nous ayons le size skirt, comme vous voyez ici, qui nous montre. Donc, on a gardé à peu près la même force, hein, l'armure strength est toujours la même, vous voyez, on a gagné oui, 11, 13%, mais ces 13%, ça ne fait pas la différence. Ça, c'est la side skirt. Donc, ça double carrément, si je ne me trompe pas, votre armure. Voilà. Ça vous double votre armure contre les infanteries. Donc, maintenant, on a quand même le double plus du double de 3 fois presque, enfin 2 fois et demi, là. Notre résistance envers les infanteries. Et le reste n'a absolument, malheureusement, pas bougé du tout. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'avoir un bon base design pour avoir un bon truc ici. Hein. Donc 56 points. On est à 100% exactement. Donc 56 points, on peut calculer exactement. Ici, on a fait 30 points avec nos 4D20. Et là, on a fait 45 points et 46 points. Donc là, on est un petit peu au-dessus de la moyenne, et là, on est en dessous de la moyenne. Bon, ben c'est parfait. C'est parfait. Et je pense qu'on perd tout ce qui dépasse votre recherche. On perd tout ce qui dépasse, puisque ici, je n'ai rien qui est marqué en Discovery. Normalement, j'aurais pu avoir 15 points minimum. En tout cas, on n'aurait pas dû faire 115 de recherche. On devrait arriver à 100, et puis le reste devrait repasser en Discovery, ce qui n'est pas le cas. Et donc, mettre du 100% comme ça, ben vous, non seulement je perds les 5 BP, mais en plus, je perds les 15 points de recherche, ce qui veut dire 15 fois 4, 60 points, 60 BP encore. Et donc, je pense qu'on trouve trop. On est trop costaud là. On est trop costaud. Il faut que je change mes recherches, que je les diminue au moins de 10%. Donc, 114. Si je diminue de 10%, ça me fera 11 en moins. On va diminuer de 10%. Call. Priorities. On va diminuer. Et en plus, ça va bouger encore en plus. Donc, on va descendre à 88, mettons. Puisque maintenant, je vais encore avoir plus de monde. Plus de BP, ce qui est logique. Donc on va descendre à 85. Voilà, j'espère que ça ne sera pas trop bas. J'espère que ça ne sera pas trop bas et qu'on fera toujours notre truc en un tour, hein. Notre découverte en un tour, mais ça on verra bien par après. Alors, je n'ai toujours pas de. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire notre. Char. Je pourrais faire la motocyclette. Et ça va être la même chose ici. Là, il ne me faut que 30 BP. Il ne me faut que 30 BP. Et si on regarde donc notre model design, de nouveau, tu vois, là, on est à zéro complet. Et donc, et ici, il me met que j'ai fait 100. Avec 53 BP, j'ai fait boum, 100 d'un coup. J'ai pas besoin de 53 BP le coup prochain. J'en ai besoin de 30, par exemple, si je fais la motocyclette. Donc, en diminuant pas par deux exactement, mais en mettant 70%, par exemple, ici,
Si je te mets à 70%, hein, j'ai besoin de 30. 10% c'est 5, 60, 65, ça fait 70%, surtout qu'on va encore en gagner un petit peu. Donc je vais t'appeler et je vais aussi te changer ta priorité pour te monter à 30 points. On va faire un 70, voilà, tout comme ceci. Comme ça, je ne perds pas. 30%, c'est un gros paquet, hein. Ou est-ce que ça se passe également de cette manière-là? Économique, lui, il va tellement lentement que de toute façon, il n'y arrive pas. Et le coût de 1%, c'est beaucoup plus cher, hein. La recherche ici, elle est beaucoup plus chère. Elle est beaucoup plus chère. Bon, pour le moment, on garde comme ça. Je crois qu'au prochain, quand on va refaire une nouvelle organisation, je pense qu'on va augmenter un tout petit peu. Donc, le staff, ça va être la même chose, sauf que là, au moins, on a 10% ici. Tu vois, on a fait 69. Ça veut dire qu'on est à 210 pour 226. Il ne me faudra que 16. Il ne me faudra que 16. Et donc, je vais perdre 50 points, si vous voulez, ici. Ouais. Voilà, on va aussi changer un peu ça. Ouais, je perds 50 points dans la découverte, complètement. Ouais, parce que c'est jeté. Tout ce que vous dépassez est jeté, carrément. Donc, il me dit qu'il me fait à peu près 70 par tour. Et on a le cost exact, hein. De toute façon, il me faut du truc. Je t'appelle aussi, mec. Je ne veux plus que 16. 16, il me faut cost to obtain 226. Plus mes bonus ici. Oui. Donc 16 divisé par. Oui, il m'en faut 16. 69, 4 fois 16, 40, 64. Disons qu'on va te. Ah ben je ne sais plus compter, moi. 26, ça fait un quart de ça, non? 16, 3 fois 16, 48. 3 fois 16, 48. Il me faut qu'un tiers de ceci. Ça fait 30%. Avec 30% de BP, ça sera bon. Voilà. Les autres en bas, je les garde comme ils sont, hein, sinon ça va me changer de tour. Tu restes et tu restes. Et donc ici maintenant, je diminue à 30% pour ce tour-ci. Confirmé. Nous allons prendre ça. Que tu es gentil et ceci aussi. Qu'est-ce que tu construis, mon ami, là-bas? C'est pas vrai. Oui, mais je crois que dans le patch, j'ai été modifié. Hein. Là, l'ice mine, tu vois, il est occupé de l'agrandir. Alors qu'il a tout ce qu'il faut en flotte, quoi. Mais ça, c'est été modifié dans le patch. Je sais qu'il ne cherche plus d'eau maintenant dans ce truc-là. Bon, on va grandir ici, hein, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Vous, monsieur. M. D'abord, vérifier qu'on ait quand même assez de vision. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ici. Nous avons suffisamment de vision. Donc, augmenter la vision ici déjà, comme ça.
57. Si je veux venir ici, je ne peux pas. Bon, ben, tu viens ici, puisque là, tu t'en fous un petit peu d'être protégé ou pas. C'est pas très important. Alors, l'endroit qui est le plus dangereux, c'est celui-ci. Donc, c'est là qu'on va te positionner à 41. C'est pas des tonnes, hein, mais... Voilà. Qu'est-ce que nous avons de joli ici? Des Hummels. Alors, le Hummel avec cette posture, c'est l'infanterie. Ça n'a aucun rapport avec le Hummel, ceci. Par contre, tu as une artillerie, une RPG, et de nouveau, des tanks irréguliers, mais qui sont, ouais, qui tapent de 80, mais qui meurent à 140. Et qui, quand même, dans les ruines, vont... Ça vaudrait la peine de les attaquer tout de suite, tu vois, tant qu'ils sont là. Là, ça aurait été intéressant de les buter, de rentrer dedans tout de suite. Puisque dans les ruines, ils se prenaient du moins 25 en défense. Et ils ont déjà pas grand-chose. Ouais. Mais tant pis. Donc, cette case-ci va... être sans doute extrêmement attaqué. Toi, mon ami, est-ce que tu pourrais venir jusque-là? Malheureusement, non. Alors, vous, monsieur, on est ici. Vous aussi. On a plus rien. Mais il est quand même à 73, lui. Donc celui qui risque le plus de danger, vous deux, vous êtes bien. 83, est-ce que vous avez des MG2 et des Line Troop 2? 200, là, de Line Troop 2. Et toi, tu as 1000 Line Troop tout court. Avec 87 et un bon commandant. Vous ne pouvez être attaqué que par une seule unité. Et vous avez 125 d'office ici. Et lui n'a pas... Alors, qu'est-ce que c'est leur Hummel? On va déjà regarder un petit peu ce qu'ils valent. Hein. Donc, ils font quand même du 279 de défense. Ouais, bien entendu, le fait d'être dans les ruines. Et ils ont une attaque de 100 quand ils attaquent. Autrement, ils n'ont que du 50 en soft. Et comme ils perdent donc 100, ils sont à 100 en attaque. Et dans les ruines, ils ont une attaque de moins 50%. Donc ils n'attaquent plus que de 50. Et nous avons, nous, une... Nous avons, nous, par exemple, 121, plus le 125% là, moins, bien entendu, un bon paquet à cause du readiness, mais c'est pas très important. Donc là-bas, je crois qu'on avait fait le tour. Est-ce que vous pouviez vous déplacer, messieurs? Oui, vous pouvez venir jusque-là. Non, je peux passer ici avec ces petits jeunes-là. Voilà, 2,5 là, je crois que c'est pas mal. Ah, là, maintenant, je n'ai plus rien. Toi. Là, on a combien? On n'est qu'à 2. 3.
Là, on est à 3. De toute façon, on pourrait venir jusque-là. Toi. Ok. Lui n'en a que 2. Et ça, je crois pas que ça soit d'infanterie, hein. Parce que si on peut bloquer ici, comment est-ce que je ferais ça? Si je bloque ici, je peux me faire, je serai entouré de 1, de 2 et de 3. Mais si, en bloquant ici, ceux-ci ne seront plus ravitaillés. Ce qui serait quand même une très 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 bonne chose. Mais nous avons malheureusement une vision de 111, ce qui n'est pas si mal que ça. Qu'est-ce que ça me donnerait en venant ici? Je pourrais attaquer avec ces 3. Ouf. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de... Bien que 42, c'est pas si mal que ça. Là, j'ai du 10%. Là, je n'ai plus de 10%. J'aurais... Ça, le petit danger qu'il y a là, mais je pense que l'idée n'est pas mauvaise, hein. Si j'attaque avec tout ça, il va me rester toi et toi. Ça m'étonnerait que lui vienne vouloir attaquer ma motocyclette et celui-ci. Je dis ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, hein. Si maintenant j'enlève, je ne prends pas celui-ci, j'ai du 27 contre 1, mais je peux ajouter quelqu'un qui est costaud, comme lui, par exemple. On va faire ça. Ok, on les a eus. Ils m'ont embuté 2, ça va. Et c'était des line troops simples. Parfait. Ok. Donc, maintenant, je peux avancer avec... Donc, qui est-ce qui peut venir gratuitement? Je ne sais plus. Donc, toi, tu restes là. Toi. Donc là, je garderai, ou je garderai ces 3-là. Alors, ici, je peux venir. Là, il m'en faut des bons. Là, je ne suis pas obligé de venir. Le seul problème, c'est que si je n'y vais pas, ben si, il faut que j'y aille. Hein. T'as toujours un attaquant ici. Ouh, c'est des méchants ceux-là. Et ceux-ci, c'est ceux qui viennent de reculer. Alors, j'en ai combien pour le moment? Est-ce que j'aurai la possibilité de... Est-ce que j'ai la possibilité de transformer? Ouais. Tu m'as tout l'air de bien le vouloir. Ok. Replace. Là, c'est bien. Là, ils vont déjà aussi devoir avoir beaucoup plus de mal à me buter. Et ensuite, il m'en manquerait 200. Est-ce que je peux en remettre 200? Ça, c'est un petit peu moins sûr. Il n'y a pas de point logistique. Hein. Ça aurait été un petit peu bizarre, c'est vrai. Ok, mais bon.
je peux quand même faire. Et tout ça, c'est des N1, N2. Bon. Deux et demi ici. Deux et demi, trois même ici. À la limite, ceci, je vais pouvoir les remplacer. Et donc, je peux envoyer cette équipe-ci également ici. Ensuite, je suis comment ? 600 line troops. Donc, je vais remplacer ceci. Si ça en a une troupe, tu ne veux pas. C'est normal, parce que heureusement que tu ne voulais pas. Parce que j'étais en line troops 1. D'ailleurs, avant de faire une bêtise, nous allons remplacer déjà les 1000 line troupes que j'ai ici, que je vais scraper. Parfait. Récupère un peu de sous, comme ça. Donc, je voudrais également avancer ici, dedans. Et nous ne pouvons pas avancer là, dedans. Toi, tu peux avancer ici. D'ailleurs, j'ai fait sans doute une bêtise, ouais. Donc, en venant ici, je pourrais me faire attaquer de 1, de 2 et de 3 de toute façon. Ici, en restant là, je vais me faire attaquer de 1, de 2 et de 3 de toute façon. Donc, il n'y a pas tellement d'intérêt. Il n'y a pas tellement d'intérêt de d'aller ici dedans pour l'instant. Déjà le fait de bouffer tous ces Hummel, tous ces medium tanks, ça serait déjà pas dégueu, je veux dire. Hein? Ça ne serait pas dégueulasse. Si je peux tenir ça, et je pense que je devrais y arriver. Je pense que je devrais y arriver. J'ai tout en line troop 2. Il y a 200 MG2. 400 MG2. Je pense que ça devrait tenir. Alors, là, j'ai deux unités qui sont déjà enfoncés, avec 165, dont des AMG-2 et des Line Troop 2, 800, 200, ici il te manque quelque chose, il t'en manque 100, on va te les rajouter, Machine Gun, un Machine Gun 2, mais je ne peux pas produire, de nouveau, c'est des points logistiques. Donc, ils viendront à la fin du tour. Ici, dedans, nous avons des line troops. Nous avons des line troops. Et nous avons... Voilà, ici, c'est fait. Bon. MG2. MG2. Toi, t'es un mec qui est dangereux. Parce qu'avec ton moteur atomique, en plus, tu peux tourner un petit peu où tu veux. Là, tu te déplaces énormément. Et je crois que cette petite zone-ci n'a que 69, effectivement. On va récupérer... Comme lui, il peut de toute façon pas avoir de, comme je disais ici,
Boum, on peut venir ici. Et puis je suis pas sûr que je veux vraiment remonter là-dedans. C'est des ruines aussi, hein, ouais. Parce que tu risques de te faire démonter le nez, mon petit. Et avec 63 d'XP, j'ai pas vraiment, vraiment, vraiment envie de le perdre pour le moment. En défense, il ne me sert à rien à peu près ce truc. Tu vois, pour une fois, j'ai envie de reculer. Parce que voir ce truc-là, est-ce que tu vas attaquer aussi, c'est une bonne question. Est-ce que tu attaquerais dans les ruines? Non, 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 ici, c'est pas l'agricultural, c'est les ruines, hein, c'est ça. Tu pèterais de 50 en moins. Mais même 50 en moins, c'est tellement cher que tu vas me mettre. Je préfère que tu n'attaques que les infanteries. Tu n'attaquerais plus qu'à 750 des infanteries, plus, bien entendu, tes 70%. Il est méchant ce truc. Non, je vais enlever mon char et reculer sur la route. Je pense que c'est une meilleure idée. Reste sans la troupe, mon toit, oui. Il n'y en a plus. Ok. Moins 30, oui, on peut faire plus d'ailleurs. 78, c'est bon. Alors, le petit dernier. Ok. Donc tout là, je me sens pas trop mal. Par ici, toi. Et au moins un ici dedans. Et t'as déjà un petit peu Nine Troops, toi. Avec 24, avec 25, avec 24. T'es à prendre aussi un petit peu. Combien il en reste? 9. Prends déjà ça, le restant va être remplacé tout seul, je crois. Revenons. Ici, je dois en avoir beaucoup trop. 1400 line troops. Scrap. Voilà. Il reste 300 line troops qui seront redispersés vers les gens qui en manquent. Carreca se sent bien à ce niveau aussi. Next Light Industry. Donc il te reste, on va laisser le finir correctement, le truc là. Et puis le tour prochain, on balancera notre petite carte. Pour toi, ici, tu me fais une police station, ce qui est très bien. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que tu continues à me faire du security point. Par contre, on a un gros pépin pour le moment ici de worker happiness. Donc un en moins pour le QOL et un en moins pour le danger. Et donc on gagne un point. Alors 4900. Ouais, tu vois, les workers left to seek des happiness elsewhere. Il faudra peut-être que je réagisse un petit peu ici. 4900, il m'en faut combien? 4900.
Il m'en faut. Il ne me faut que ça. Que ça, ça veut dire 6400 workers. Le problème pour un petit nombre comme ça, ça fait un petit peu chiant. Un petit peu chiant. Augmenter le montant que je leur donne, ben, il va donner un petit boost, effectivement. Mais après, je vais devoir redescendre le fric. Et donc, pas sûr que ce soit véritablement intéressant. C'est vraiment que pour le moment que pour un seul bidule, quoi. On peut lancer ceci. On peut lancer ceci sur Hanson, qui est toujours avec sa petite bubule toute seule, là, tranquille. Allez. 3D10. On fait 6 points. Vraiment un point de fait de gaspiller, malheureusement, mais c'est comme ça, on ne peut pas y faire grand chose. Il y a des tarifs, je voulais lancer un tarif. Alors, lancer un petit tarif vers mon copain. Alors, ça veut dire quoi cette histoire? Difficulté de 70. Et tu as besoin d'administration. Et si c'est bon, ben ça augmente l'export tarif de plus 25. Oui, ben on va faire ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Là, bien entendu, on va pas faire ça là. On pourrait faire pas ici non plus. Il faut d'abord avoir un trade, hein, effectivement. Tu nous blackmail. Difficulté de 70. Et nous, on fait 78 plus notre descente. Et voilà. Donc. Une industrie. Là, une industrie qui est ici. Faire une petite industrie comme celle-là, c'est pas mal. Hein. Si au début, je la coupe en... Je la fais par 50%, par exemple. Ça ne me coûtera plus que 62. Je pense qu'on va la faire. Voilà. On va lancer ce truc-là. Parce que c'est une chose importante. Et je vais tout de suite d'ailleurs la réduire. Voilà. Pas par ici. On va réduire ça à Anskarika. Je veux mon ami. Pour le moment que tu me réduis ça à 50%. Par exemple. Donc tu ne consommes plus que 62,5, 63. Triste, hein? Hanson, je veux que tu me prennes ça. Parce que je veux que tu me récupères le bidule là-bas. Voilà, comme ça. Comme ça, tu récupères quand même le people, les 200 ou 300 personnes, les 300 personnes, je crois qu'on reçoit ici. Les 200 personnes, parce que c'est toi qui manque le plus de monde. Oui, donc, ça va. Les gens qui partent d'ici, tu vois, les 400, 500 workers left you, tout sick des rapiness, elsewhere, eh ben, ils sont revenus là. Population increase by 500 because of workers leaving public employment. J'ai pas assez de munitions. Il faut que je refasse de la munition, bien sûr. Et là, ce coup-ci, je peux en refaire un, beaucoup plus. Tiens, voilà. 520. Puisque j'ai 5 et le trop pour ce tour-ci, c'est bon. On va attaquer ça. Bon, M. On va faire comme ça, bien sûr, mais... R attaque 54. R reco avec les... Ok. Et attaque avec les deux.
Ouais, essaye de toucher un peu mon petit. T'as du mal. Touche 1, quoi. T'as quoi combien de vie, toi? Je sais plus. Combien vous avez de vie, les petits gars? Bah. 20 contre 260. Ouais, c'est un landscape. J'ai oublié que c'était un landscape. Ok, c'était un gaspillage de munitions pour rien du tout. J'aurais jamais dû attaquer là-dedans. C'est un petit peu de ma faute. J'aurais mieux fait d'attaquer dans les ruines. C'était plus rentable. Alors, toi. Toi, mon cher ami. Bien, tu vas en revenir à te préparer ici. Pourquoi je dis ça? Parce que on va devoir l'envoyer à Fultrange. Ouais. Roule ma poule. Bien. On aurait pu le garder là d'ailleurs. Oh, pourquoi pas? Si jamais il y avait une grève, pas voir un pépin. Bon, allez, on va le mettre là. C'est bien pour moi. Ah, mais de nouveau, les décisions. Donc ça, maintenant, je te dis non. Négatif. Et nous prenons, je ne sais pas lequel qu'on va se prendre. Allez, une artillerie, elle était tellement mauvaise, cette artillerie ici. On va garder le même, hein, pour le moment. De toute façon. Et on va se faire une petite armure de combat. Allez, vas-y ma poule. Nous avons tout terminé. Nous avons tout terminé, je crois. Non, il y a quelque chose que j'ai pas fini. Il y a quelque chose que j'ai pas fini. Si, si, j'ai fait ma décision. Donc il me reste 105. On en fait 250. De toute façon, j'aurai que 2700 hommes. 2700 hommes en 2700 hommes. Combien ça me coûte pour passer en AMG, en Line Troop 2? C'est pas comme ça que je le verrai. C'est ici. Donc une Line Troop 2 me coûte 6. Donc je peux faire moins, oui, 6 fois le nombre de personnes qui 100 personnes. Ça fait à peu près 6 fois 10 par 100. Donc je pourrais en faire 27. En gros, quoi. Hein, taper gros, parce que j'aurais quand même sans doute l'armée à refaire tank. Mais disons, allez, 25 fois 6, 120, 100, 25 fois 6, ça fait 150 points. J'en ai 253 que j'aurai. Donc on peut quand même revenir dans notre décision ici. Je n'aurai de toute façon pas assez. Hein? Donc je repasse ici dans mes 100%. Voilà. On vient dans 100% à cet endroit-ci. Et il ne me restait plus personne. Donc, ben, je pense que c'est bon. Allons-y.